Lucille révise son baccalauréat chez elle à Siskou dans le Cap Corse. Elle pourrait être confiante, mais elle s'est fait un programme de révision drastique pour les derniers jours, de 9h à midi et de 14h à 19h. Tout le monde me dit, mais oui, c'est dans la poche, mais moi je préfère partir du point où j'ai rien. Enfin, on verra bien, on verra le 5 juillet, ce sera le jour qui va déterminer si je l'ai ou pas. Donc pour l'instant, je dis rien, je ne me projette pas dans l'avenir. Si elle décroche son bac, Lucille sait déjà qu'elle sera acceptée dans un cursus de musicologie à la Sorbonne à Paris. Devant ce lycée de Montésor, ceux qui ont aussi appris via Parcoursup que leur premier choix était validé ne cachent pas leur soulagement. J'ai été en attente pendant quelques jours, 2-3 jours, puis j'ai été pris dans mon choix principal, une licence de biologie à Corté. Donc voilà. Vous êtes heureux ? Oui, complètement. J'aurais pas été pris, je me voyais mal partir sur le continent à Grenoble ou autre part. Ben moi j'ai demandé des prépas sur le continent. Plusieurs où j'ai été accepté, mais celle que je visais était en liste d'attente. Puis après quelques jours, je l'ai eu. Et puis quand je l'ai eu, j'ai annoncé à ma mère qui était très contente, très rassurée. Il y a aussi les grands déçus, surtout certaines lycéennes qui souhaitaient devenir infirmières. Fini le concours qu'on pouvait obtenir même sans le bac. Francesca, qui voulait devenir infirmière, fera finalement autre chose si elle obtient son diplôme. J'ai été refusée de partout. Et j'avais mis quand même une licence de culture corse à Corté et celle-là j'ai été acceptée. Mais bon, c'était pas mon premier choix encore, donc un peu déçue. Il y a également ceux qui ne désespèrent pas sans trop savoir jusqu'à quel point ils peuvent espérer. Moi j'avais pour choix, comme premier choix, de mettre un BTS diététique à Nice et j'ai été refusée malgré le fait de m'être déplacée à la journée de porte ouverte. D'abord, on envoyait un mail comme quoi je voulais vraiment faire ça. Quand on a eu les résultats, j'étais en liste d'attente. Et là, petit à petit, j'ai regardé tous les jours si j'étais acceptée. Et ça descend doucement, mais c'est quand même stressant parce qu'on ne sait pas trop quand est-ce que ça va être oui, quand est-ce que ça va être non. En plus, on a eu un bug, donc on ne sait pas vraiment. Le bug en question, mi-mai, qui a fait dire à des lycéens que leur choix futur était validé avant de le démentir 2 jours plus tard, a concerné 67 000 étudiants en France sur presque 900 000. En Corse, sur plus de 3 000 inscrits à Parcoursup, seule une dizaine aurait connu cette mésaventure. Mais pour certains syndicats d'enseignants, on joue avec les nerfs des élèves. Aujourd'hui, vous créez un stress supplémentaire, mais cela est toujours dû à la même raison. Quand vous montez une cohorte de 80% au baccalauréat et que vous n'investissez pas dans le supérieur aujourd'hui, vous arrivez à la sélection. C'est un problème de moyens. C'est-à-dire que soit le gouvernement met les moyens pour que le supérieur se développe et effectivement tous les jeunes pourraient choisir une voie. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le rectorat, lui, assure que tout se passe bien en Corse et même mieux qu'ailleurs. Pour les 90% de candidats qui ont d'ores et déjà reçu une réponse positive, je crois au contraire que le contexte est très propice à la préparation du baccalauréat, c'est une source de motivation supplémentaire. Mais je pense évidemment à ceux qui aujourd'hui sont encore en liste d'attente et je veux absolument les rassurer. Aucun d'entre eux ne restera sans solution. D'ailleurs, ils le savent bien, la plateforme Parcoursup est mise à jour quotidiennement. Chaque jour, il y a de nouvelles propositions d'admission qui sont adressées aux candidats qui restent en liste d'attente. Rendez-vous est pris fin juin pour tous les lycéens corses dont aucune demande n'aurait été acceptée.